Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Sandra Bullock est la reine des comédies romantiques, le cœur des États-Unis et la plus belle femme au monde d'après beaucoup de magazines People. Or, en même temps, elle compte aussi un bon nombre d'échecs, aussi bien cinématographiques qu'en matière d'amour. Elle est la seule actrice à avoir remporté la même année un Oscar et un Razzie Awards, l'équivalent du Gérard en France. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas décider si nous l'aimons ou si nous la détestons? Voici la vie ridicule de Sandra Bullock. Sandra est née le 26 juillet 1964 aux États-Unis. Elle est la fille d'une cantatrice renommée d'origine allemande et d'un militaire américain, qui fut aussi professeur de chant à mi-temps. Bullock a été élevée dans la langue allemande essentiellement, et grâce à l'influence de sa mère, elle a appris le chant et le ballet. Quelquefois, elle incarnait de petits rôles dans des pièces de théâtre et chantait dans une chorale pour enfants. Fait curieux, à l'âge de 18 ans, elle avait les deux nationalités, allemande et américaine, mais plus tard, elle choisit de ne garder que l'américaine. Cependant, en 2009, elle regretta et recommença les démarches pour récupérer sa nationalité allemande. Après avoir obtenu son baccalauréat et son diplôme d'études universitaires aux États-Unis, elle déménagea à Manhattan pour poursuivre sa carrière. Durant ces années-là, elle travailla comme barmaid, serveuse et comme hôtesse. Elle travailla principalement dans des productions télévisées jusqu'en 1993 où elle obtint un rôle secondaire dans le film Demolition Man, dans lequel elle joua aux côtés de Sylvester Stallone et pour lequel elle se vit remporter une première nomination aux Razzie Awards. Une cérémonie de remise des prix qui n'a rien d'honorable, à l'opposé des Oscars ou encore des Golden Globes. Moins d'un an plus tard, elle partagea l'affiche avec Keanu Reeves dans le film Speed et acquit une renommée mondiale. En fait, c'est grâce à ce rôle-là qu'elle obtint son permis de conduire pour bus. Après sa participation au film L'amour à tout prix, elle obtint sa première nomination aux Golden Globes. Elle fit ensuite son apparition dans les films à succès, Traque sur Internet et Le droit de tuer. Malheureusement, ses choix n'étaient pas tous bons. En effet, le second volet de Speed fut un vrai fiasco, raison pour laquelle l'actrice décida d'opter pour la comédie. Elle était toutefois déterminée à dévoiler ses vrais talents d'actrice. Vint ensuite l'année 2009. Sandra apparut dans la comédie La Proposition, aux côtés de Ryan Reynolds, et dans le film dramatique The Blind Side. Des films qui affichèrent un succès au box-office, récoltant quelque 300 millions de dollars. De plus, grâce à sa participation à The Blind Side, Bullock reçut son unique Oscar jusqu'à présent. Cette même année, en revanche, sortit le film Tout sur Steve, où elle joua aux côtés de Bradley Cooper. Les mauvaises critiques des experts firent remporter à l'actrice un Razzie d'or, ce qui fit entrer Sandra dans l'histoire comme étant la meilleure et la pire actrice au cours de la même année. Nous ne pouvons pas faire fi de son sens de l'humour, toutefois, ce n'est pas sa carrière artistique qui fit les gros titres, mais plutôt l'échec de son mariage. L'actrice épousa en 2005 le célèbre présentateur de télévision, Jesse James. Leur mariage fit rêver tout le monde. En effet, on avait l'impression que leur couple était parfait. Mais en 2010, de nombreuses rumeurs d'infidélité de la part de James furent dévoilées. Ce dernier aurait soi-disant trahi sa femme avec le mannequin tatoué Michelle McGee, qui aurait révélé des détails intimes de cette aventure en exclusivité au magazine In Touch Weekly. Lorsqu'on découvrit qu'elle n'était pas la seule amante de James, ce dernier s'excusa publiquement à son épouse qui entama immédiatement une procédure de divorce. Par ailleurs, afin d'éviter davantage de scandales et de questions embarrassantes, Sandra annula sa tournée européenne pour la promotion du film The Blind Side. De nombreuses années plus tard, alors que presque tout le monde avait oublié le sujet, James révéla qu'il n'avait pas été le seul infidèle dans la relation. Mais en réalité, presque personne ne s'intéressa à ce qu'il afferma. Pas le bon moment peut-être? À quoi bon de toute façon? Toutefois, Sandra estime elle-même qu'elle n'est pas celle qui convient le mieux pour les films romantiques, car selon ses propres déclarations, elle peut très vraisemblablement faire de n'importe qui une personne malheureuse. Ses relations précédentes et son échec matrimonial ont prouvé qu'elle n'était pas la plus chanceuse en matière d'amour. Durant trois ans, de 1992 à 1995, elle vécut une relation avec l'acteur Tate Donovan, qu'elle avait rencontré pendant le tournage de la comédie Love Potion. D'après la rumeur, cette relation s'est terminée à cause de sa jalousie, ce qu'elle a nié. Elle se mit ensuite avec Matthew McConaughey, puis avec Ryan Gosling, qui est d'ailleurs de 16 ans son cadet.
Finalement, la relation entre Sandra et Ryan se termina quand ce dernier rencontra Rachel McAdams durant la production du film N'oublie jamais. Depuis 2015, Sandra partage sa vie avec le photographe et mannequin Brian Wendell. Et tous les deux s'occupent des enfants adoptés de l'actrice qui semble une nouvelle fois heureuse mais beaucoup plus prudente. Beaucoup se souviennent que c'est précisément pour Sandra que Randall a quitté sa compagne d'alors, outre ses nombreux problèmes avec la loi. Car oui, il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Or, la page a visiblement été tournée, puisqu'il semble former une famille heureuse. Sandra a une nouvelle fois été sous les feux des projecteurs récemment pour son dernier film Bird Box, basé sur le roman de Josh Malerman et réalisé par Susan Beer. Le film raconte l'histoire d'une mère avec ses enfants qui se bat désespérément pour les sauver. Et apparemment, les avis au sujet du film se séparent en deux pôles extrêmes. Ceux qui l'adorent et ceux qui la détestent. Mais bon, c'est une chose à laquelle Sandra est très, très habituée. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!